Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fanbus. Petit trajet aujourd'hui, on va se faire un petit trajet en Autriche. On va le faire le trajet de... Alors excusez-moi de comment je vais appeler la ville, je suis pas autrichien, voilà. J'ai un peu de mal avec les noms assez durs à prononcer, donc c'est Hohenschwangau. Je sais pas si c'est comme ça. Et on va aller jusqu'à Innsbruck. Donc c'est parti, on y va. Petit trajet ensemble aujourd'hui, donc on va prendre un bus, on va prendre le maillon de coach C2. Troisième génération, donc on continue sur un petit peu la présentation des Malignon Coach de troisième génération. Donc pourquoi, je vais pas répéter pourquoi je fais mes vidéos si tard, voilà, moi c'est un plaisir de rouler. Donc il n'y a pas de, voilà, le DLC est sorti il y a longtemps, j'ai pas fait de vidéo sur le DLC, voilà. Donc il n'y a pas de ça qui te compte, moi je fais ça pour le plaisir. Après pour ceux qui sont pas contents, bah vous regardez une autre chaîne, voilà, d'autres vidéos. Donc c'est parti, on y va, donc on va prendre comme ça, en configuration comme ça. Avec le skin Webus, donc malheureusement, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on ne peut pas avoir de skin sur console, malheureusement. Donc c'est parti, on y va, je vais prendre ma manette avec moi, comme ça je suis tranquille. Donc là j'ai pris mon micro, alors vous me direz, ce sera un test réel du coup. Avec mon micro du coup, là je me suis mis à peu près le micro en face de moi. Donc je ne sais pas s'il va bien capter ma voix, donc on va bien voir ça. Je suis à peu près allé, au niveau du micro, je suis à peu près allé à 10 cm, donc après je vais m'éloigner un petit peu. Mais voilà, vous me direz si vous préférez ce micro-là ou que je réutilise mon micro Corsair avec le casque. Vous me direz ça. Donc on y va, on va ouvrir la soute avant. C'est bon, ils ont mis leur bagage. Oui, c'est bon, ils ont mis leur bagage. On va démarrer le bus. Tac, c'est parti. Dérable. On va mettre toutes les trucs qu'on a besoin, le café, la wifi. Les toilettes, ça en a besoin, je crois. Ça sert à quoi ça? Je sais plus quoi. Ça, ça en mettra après. Ça en a pas besoin, on n'a pas besoin. Et voilà. Là, normalement, on est bien. On va mettre juste la petite lumière là pour avoir un peu d'éclairage. Et on va mettre la climat 20, 22, on verra si c'est bon ou pas. Donc là, c'est bon, on a le voyage qui est identifié. Facebook, voilà, ça c'est bon. 10h48. Et on va pouvoir commencer à prendre nos passagers. Hop. Bonjour. Alors, du coup. Donc là, c'est bon. On y va. Donc, de toute façon, là, pour l'instant, c'est un casque que j'utilise. Ah, non, voilà. Je vais provisoirement. Donc, c'est un nouveau casque que j'ai trouvé. Donc, je vous mettrai dans la description, si vous voulez, le casque que j'utilise. Donc, c'est le casque Clim, la marque Clim. Donc là, je suis peut-être assez loin du micro. Hein. C'est peut-être fait... Normalement, c'est un micro qui est fait pour parler devant. Mais voilà. Ah, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. On n'a pas eu de personnage qui demande de. Facebook, c'est bon. Donc là, normalement, tout le monde est prêt. Ouais, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Ah, il y a du monde derrière qui attend. Ah oui, il y a des voitures qui attendent derrière en plus. Je vais pas les faire les attendre trop longtemps. Du coup, on va faire ça. On va mettre fermer la porte. On va mettre la petite voix. Bon, j'appelle ça la petite voix, c'est la petite annonce. On va se mettre comme ça et faire directement ça. Démarrer le voyage. Hop. Et je pense qu'on est parti. Oui, je vais pas enlever le frein à main. On va se mettre en marche avant et on va enlever le frein à main. Et c'est parti, mon kiki. Donc on a... je sais pas quoi tu mets à faire, il va nous le dire avant. Attendez, je vais juste bien m'installer devant. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre dans cette vidéo. Donc là, j'ai réglé le son à 80%. Bon, je conduis, moi. 80% au niveau réglage. Ouais, 80-90% pour le micro. Pour que vous m'entendiez vraiment bien. Donc peut-être que le son sera net du micro. Ça, je sais que le son sera net par rapport à mon casque Corsair. Par contre, tu dis pas qu'on a de kilomètres à faire, par contre, c'est bizarre. Ah oui, 110 km. Ok, on a 110 km à faire. Donc peut-être que le son sera net, mais un peu moins fort. Parce qu'en fait, avant, j'avais mon casque, les casques Corsair, mais en fait, le casque Corsair allait près de la bouche. Bon, c'est peut-être plus facile. Mais là, franchement, avec ce casque-là, avec ce micro-là, non, c'est vraiment beau les paysages là. Vraiment joli. Hein. Donc là, on est bien par rapport au trajet. On n'est pas très en retard. Ah, franchement, là, je vois qu'on est en Suisse. C'est vraiment très beau. Vos paysages, pas en Autriche, excusez-moi. C'est même pas la Suisse, en Autriche. Oh, ça se touche, hein, c'est deux pays qui se touchent. C'est deux pays frontaliers, on va dire. Hello and welcome to Flixbus. We're glad
Par contre, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont beaucoup plus de neige que moi. Moi, j'ai presque pas de neige, on va dire. C'est comme si que la neige a commencé à fondre. Mais ils ont beaucoup de neige dans leur paysage. C'est vraiment bien enneigé, quoi. Que moi, j'ai presque rien, on va dire. Donc, c'est un peu gênant, je trouve. You will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, je vais pas forcément parler toute la vidéo. Donc moi je voulais parler un petit peu de Fernbus, parce que je voulais parler un peu du jeu, des attentes que j'en attends. Donc déjà moi j'attends qu'ils rajoutent de nouveaux pays, qu'ils sortent pas forcément sans console. J'attends pas trop après par rapport au bus Van Hall, parce que je les ai déjà sur PC. Donc c'est pas le truc que j'attends le plus. Moi j'attends plus qu'ils rajoutent des nouveaux pays sur le jeu. Donc pourquoi pas rajouter la Pologne, même l'Angleterre. Mais moi je pense que l'Angleterre ça se fera jamais, pour moi. Parce qu'en fait, en gros, je vais vous expliquer pourquoi. Moi je pense, après c'est mon avis, hein, mais je pense que Aerosoft, pour l'instant, ont ajouté que les pays qui sont desservis par Flexbox. Ils vont pas s'amuser à mettre dans le jeu un pays qui est pas desservi. Par exemple, je sais pas, on va dire un exemple. Je prends un exemple, je sais pas, il y a un petit trajet, un trajet de bus, je sais pas, par exemple, je veux dire Calais, exemple, hein. Calais-Londres. Bah peut-être que ce trajet n'existe pas, peut-être que Londres est pas desservi par Flixbus. Donc je vois pas pourquoi eux qui aiment bien coller à la réalité, vous savez que ils aiment bien coller à la réalité, après même des fois c'est pas trop irréaliste, mais voilà, ils aiment bien coller à la réalité, donc pour moi je pense qu'ils le feront pas si c'est pas un pays qui est desservi par la compagnie Flixbus, voilà. Donc après, peut-être que ça peut être servi par Webus. Donc Webus, ça appartient à la SNCF. Donc peut-être que oui, c'était desservi par Webus. Donc là, j'ai mis un skin aujourd'hui, Webus. Donc ça appartient à la SNCF, normalement, si je ne me trompe pas. C'est comme les SNCF, oui, là, les trains, bah, c'est pareil, c'est la SNCF. Donc peut-être que, je sais pas si ça sera vraiment desservi un jour. Ou je sais pas si vraiment on aura ces DLC là un jour sur console. Parce que sur PC c'est pareil. Mais pourquoi il a mis la voix encore? Faut leur reparler lui. Okay. Il s'est arrêté de parler, il reparle. Une toilette se trouve dans le hinteren Einstiegsbereich. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que bah moi le jeu j'aime bien, hein, franchement Flixbus, vous voyez les graphismes, franchement, pas les graphismes, mais les montagnes sont bien détaillées et tout. Là on va passer dans un tunnel. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Bah, j'aime bien de jouer de temps en temps, j'y jouerai pas tous les jours. Mais en fait ça fait un peu comme ETS2 quoi. ETS2 je suis pas tout le temps dessus. Il y a des moments où j'avais envie de rouler, et des moments où j'ai pas envie de rouler sur le jeu. Donc ça dépend de mon humeur, on va dire. Là, c'est bizarre, ils disent 80 et là je suis à 100 km/h. Là ils sont trompés, regardez, vous voyez 80 et le GPS m'annonce 100 km/h. Donc là il y a une petite il y a quand même des petites incohérences dans leur jeu. Je sais pas pourquoi la voix il a reparlé, le mec, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Il est long le tunnel, il fait combien de kilomètres celui-là? Donc il nous reste 48 km avant d'arriver à Innsbruck. Ah ouais, mais franchement, les noms des villes, des fois, c'est trop compliqué à dire. Oh, le nom de la ville, franchement, c'est un nom à coucher d'eux. Hein. Ça, c'est l'impression qu'on dit chez nous, quoi. Pour ceux qui seraient pas de la France, qui regarderaient ma vidéo. Par exemple, les Belges, par exemple. Donc, c'est l'expression qu'on dit en France, quoi. C'est un nom à coucher dehors. C'est pas un nom à coucher dehors.
Donc là, j'ai. Alors, ça va prendre avec des pincettes. J'ai fait la demande sur le site Rainmaker d'une clé de Final Fantasy VII Rebirth. Donc j'espère avoir un. Attendez. J'espère avoir une réponse positive. Moi, je crois pas trop. Vous voyez les petits bugs de texture, la neige qui déborde sur. Après, c'est pas des bugs. Mais vous voyez. Ah, le temps il commence à. Non, à changer ou pas? Non, j'ai l'impression que ça... le temps commence à changer. Parce que j'ai mis météo dynamique. Vous voyez les paysages ici, regardez. C'est vraiment joli la montagne, on s'y croirait. Tellement que c'est beau. En fait, la neige elle est bien sur la montagne, elle est bien égalisée. Mais par contre, sur les bords de route, bah théoriquement, on devrait avoir plus de neige que ça sur la... dans l'herbe quoi. Mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup de neige dans l'herbe. Donc la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire quelques vidéos sur... je sais que j'ai annoncé la semaine dernière, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'avais d'autres priorités. Donc sur Tourisbus. J'ai joué un petit peu à Tourisbus. Et bah franchement, il est pas mal. Ah, pas mal. Sur PC, il est propre. La version console, elle est quand même... En fait, quand vous regardez la version console et la version PC, Tourisbus, c'est vraiment rapprochant au niveau graphiquement. Mais quand vous regardez Fanbus... Bah, y a quand même un gouffre entre la version PC et la version console. Et en fait, ils ont mieux réussi Tourisbus que Fernbus. Je sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'ils ont voulu passer le jeu sur Unreal Engine 5 et le Unreal Engine 5 est peut-être pas bien pour Fernbus. Donc après, ça me fait peur parce que graphiquement, Tourisbus sur console, il est très beau. Mais si le jeu, il. On appelle ça. Il passe en Unreal Engine 5. Bah, j'ai peur que le jeu se dégrade en fait. Qu'on ait un jeu moins bonne qualité que la version précédente du jeu. Mais après, moi j'y crois pas trop hein, depuis le temps, ça doit faire plus d'un an. Je crois un an et demi qu'on a pas une mise à jour sur Tourisbus. Je vois pas pourquoi TML Studio nous sortirait une mise à jour maintenant. Pour moi, c'est trop tard, le jeu il a été abandonné. Même s'il y a certaines personnes qui avaient dit oui, il sortira prochainement une mise à jour next-gen sur Tourisbus. Pas une mise à jour next-gen, mise à jour avec le nouveau moteur graphique. Moi, j'y crois pas trop, parce que ça aurait été déjà fait depuis longtemps, parce que, si vous vous rappelez, l'annonce de Fabien Bouleg, qui avait dit, oui, il y aura une mise à jour, quand, enfin, le bus sera sorti. Enfin, le bus, ça fait plus d'un an qu'il est sorti sur console. Si je me trompe pas, il était sorti en février ou mars, je crois. Si je me trompe pas, je crois. Et il y a toujours rien de fait. Il n'y a toujours pas de mise à jour de fait. Donc, moi, pour moi, je pense que ça se fera jamais, quoi. Pour moi, Tourisbus, il a été abandonné. Le jeu a été abandonné. Et comme il travaille sur The Bus sur PC, donc c'est un jeu qui est toujours en développement, hein, qui est toujours en Early Access, donc il n'est toujours pas sorti officiellement, donc il est en Early Access. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Franchement, j'ai pas de plus d'infos là-dessus. Donc on verra bien. Moi franchement, je sais pas. Peut-être que ça sortira, je peux peut-être me tromper. Hein. Mais pour l'instant, moi je vois pas une sortie du jeu sur... une mise à jour sur le jeu. Donc bien évidemment, prochainement, il y aura du Taxi Life. Donc ça, je vous avais déjà annoncé. Il y aura également du House Flipper fin du mois. Donc c'est les seuls jeux qui vont être disponibles sur ma chaîne. À moins que je puisse me prendre Final Fantasy VII Rebirth. Et là, il y aura sûrement des vidéos de combat. Enfin, pas de combat proprement parlé, mais des combats de chasse, admettons. Un peu comme j'avais fait sur Final Fantasy VII Remake et que j'avais fait sur Final Fantasy XV, où j'avais proposé des vidéos de combat. Donc, je vais éteindre mon bus et on va descendre de là. Hop, on va se mettre au point meurt. On va mettre le frein à main. Et on va pouvoir descendre tous nos passagers. Donc c'est vrai, j'aurais pu fermer, moi, j'aurais pu ouvrir la, moi, on met la porte. Hein. Donc j'aurais pu ouvrir la porte avant. Hop. Voilà, moi franchement, le jeu sur PC, je le trouve vraiment bon. Propre, je sais pas ce que vous en pensez. Donc après, les prix des gasoil, c'est combien du coup 139, alors c'est combien le super? C'est quoi le benzing? Benzing. Diesel benzing. Super, super plus. Ok, bon, il y a des différences de prix assez incohérentes. Là, on a la pompe à essence, donc je vais fermer tout ça.
Là, je vais vous laisser du coup. Donc voilà. Hop, on va juste valider le trajet. Hop. Voir ce qu'il en est. Alors, du coup. Donc j'ai gagné 377 XP. Donc ça, c'est cool. Donc arrêt effectué, c'est bon. Là, j'ai bien. C'est bien. J'ai vendu aucun ticket. Donc 202. Donc c'est bon, on est bien. On a fait un bon trajet, un bon très bon. Vous voyez, même s'il a fait deux annonces, on a eu comme qu'une annonce d'annoncer. Code de la route. Temps de conduite respecté 100%. On est vraiment bien. Et là, franchement, 100% et 99%. Et là, une erreur, distance de sécurité non respectée. Donc, on va voir tout de suite ce qu'on va faire comme trajet pour la prochaine vidéo. Je préfère le faire en vidéo, comme ça va plus vite. Hop. Donc, prochain trajet, ça serait. Mais non, en fait, c'est même pas en Autriche où je suis là. Bon, c'est pas grave. C'est pas en Autriche, c'est pas grave. J'ai dû me tromper, je suis pas en Autriche, là, c'est pas grave. On va faire un autre, on va préparer un autre trajet. Alors, l'Autriche, pour moi, c'est Leeds. Donc, on va se faire Salzbourg la prochaine fois. On va faire un nouveau trajet. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je suis en Autriche, mais non. Je suis même pas en Autriche, là, au fait. Je sais même pas si. Non, l'Autriche, c'est ici, l'Autriche. Bon, c'est pas grave. C'est pas méchant, on va dire. Donc, on va partir de Salzbourg jusqu'à Leeds. Et après, on fera Leeds, Saint-Paulin, Saint-Paulaine. On fera Saint-Paulaine, Vienne et Vienne-Graz. Voilà, on fera ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on fera ça. À moins que Innsbruck, ça fait partie de l'Autriche, je ne suis pas sûr. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, portez bien. Peace!